Salam alaikum, bonjour tout le monde. Azul Flawen, j'espère que tous nos participants se portent très bien. Je vous remercie d'avoir rejoint notre webinaire empoétique.com, comment bien remplir son profil. Donc je me présente, Yasmine Hadj Ahmed, responsable communication au sein d'Empoétique. Je m'occupe également des relations avec les candidats. Bonjour à tous nos participants. Je souhaiterais d'abord souligner que si vous avez des questions, des préoccupations, vous pouvez les mettre sur la partie chat et sur la partie questions. On y répondra à la fin de ce webinaire. Aujourd'hui, au sommaire, nous allons voir trois grands points importants. Donc, sur le webinaire précédent, on avait vu comment avoir un CV attractif, comment rédiger un CV attractif. Donc, je vous mettrai tout à l'heure le lien pour visualiser le webinaire passé et tout savoir sur la rédaction d'un CV attractif. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble trois points importants. Donc, le premier point, c'est Emploitique, comment ça marche, et donc tout ce qu'il faut savoir en postulant sur Emploitique.com. Le deuxième point que nous allons voir, c'est les étapes de création d'un compte sur Emploitique.com. Donc, nous allons voir comment bien remplir et comment bien mettre en valeur son compte Emploitique pour être attractif vis-à-vis des recruteurs. Et en troisième lieu, nous allons discuter des alertes email. Donc, c'est des alertes qui vont vous permettre d'être à jour sur les dernières offres d'emploi qui correspondent au poste ou au métier que vous recherchez. Actuellement, est-ce que vous avez des questions ou certains points que vous aimeriez que nous abordions à travers ce webinaire? Nous allons prendre cela en compte par la suite. Très bien. Donc, en fait, première des choses, ce qu'il faut savoir en utilisant Emploitique.com, c'est que nous sommes un intermédiaire entre les candidats, donc vous-même, et les entreprises qui recrutent à travers des offres d'emploi qui sont publiées sur Emploitique.com. Donc, une entreprise qui a besoin de recruter fait appel à nous et une offre d'emploi est diffusée sur notre site. Vous, en tant que candidat, vous devriez postuler à cette annonce afin de transmettre votre candidature directement à l'entreprise. Ce qu'il faut savoir en postulant à travers emploitique.com, c'est que ce qui est pris en compte chez le recruteur en premier lieu, c'est le CV que vous remplissez sur votre compte emploitique. Donc, les informations qui seront transmises chez le recruteur et qui transparaîtront chez le recruteur sont en premier lieu ce que vous remplissez sur votre compte Emploitique. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le recruteur reçoit vos candidatures classées par ordre de correspondance au profil qu'il recherche. Donc, il reçoit ses candidatures sur un outil et cet outil-là permet de classer les candidatures en fonction justement de ce qu'ils recherchent. Il y a beaucoup de candidats qui me disent, oui, je postule à chaque fois, mais je n'ai pas de retour. Donc là, il y a deux explications possibles pour cela. Donc, soit vous n'avez pas correctement rempli ou vous n'avez pas pris assez de temps pour bien remplir votre compte Emploitique, ou vous avez postulé à une offre d'emploi qui ne correspond pas à votre profil. Et donc, comme l'outil ne retrouve pas les informations nécessaires, donc que ça soit les informations nécessaires et les informations compatibles surtout, donc que ça soit une offre d'emploi à laquelle vous ne correspondez pas ou que ça soit une candidature à une offre d'emploi où votre compte n'a pas été correctement rempli. Donc là, l'outil ne retrouve pas assez d'éléments et donc votre candidature est, disons, déclassée.
Et donc, elle apparaît sur les dernières pages et n'est pas mise en valeur. Donc, c'est, disons que c'est, ça vous porte préjudice si vous ne remplissez pas correctement votre compte emploi-tique et surtout si vous ne postulez pas aux offres d'emploi qui vous correspondent. Donc, le webinaire d'aujourd'hui va être dédié, comme je vous l'ai expliqué au début, à comment bien remplir son compte emploi-tique. Et le mois prochain, nous aurons un second webinaire à travers lequel je vous expliquerai en détail comment décortiquer les offres d'emploi sur Emploi-tique et comment être sûr que nous correspondons parfaitement à ces offres d'emploi. Donc là, je vais partager mon écran avec vous et on va voir ensemble les étapes déjà de création d'un compte sur Emploi-tique et surtout de remplissage d'un compte sur Emploi-tique. Donc, nous allons voir cela ensemble et en détail. Alors, là, on va commencer par l'étape la plus basique. Donc, vous êtes sur emploi-tique.com et en fait, il faut cliquer sur « s'inscrire ». Donc, il y en a parmi vous probablement qui postulent sans compte, donc sans avoir de compte. C'est possible effectivement de postuler sans compte. Seulement, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques secondes, en fait, vous ne mettez pas assez d'informations sur votre profil et donc votre CV peut ne pas être visible chez le recruteur. Donc, ce qui est conseiller, ce qui est vraiment préconisé pour avoir un bon pourcentage de classement de votre candidature sur l'offre d'emploi du recruteur, à ce moment-là, il est impératif de créer un compte. Donc, nous allons voir ces étapes-là ensemble. Donc, je vais créer avec vous un compte directement. Donc, l'étape de création de compte est très, très simple. Donc, du moment qu'on met notre nom, prénom et qu'on met une adresse email, un mot de passe, et donc nous avons systématiquement un compte sur Emploi-tique. Je clique sur « Je crée mon compte ». Et donc, mon compte est systématiquement créé. Donc, ce que nous allons voir en fait, c'est que il y aura justement ce petit pop-up qui s'affichera au fur et à mesure des étapes de remplissage de votre compte. Et vous avez sur votre droite à chaque fois une vidéo explicative qui vous permettra justement de suivre étape par étape la création d'un compte sur Emploi-tique. Donc, on va parler du titre du CV. Alors, le titre du CV doit impérativement comporter soit le titre de la dernière formation, si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, ou le titre de votre dernier poste occupé, ou le poste que vous souhaiteriez. Donc là, je vais mettre mon titre de poste, donc responsable communication. La langue de mon CV. Le statut de visibilité, donc idéalement activé. Et nous glissons par la suite une pièce jointe pour justement alors je vais mettre juste un modèle de CV. Le temps du téléchargement du CV et nous allons passer à la prochaine étape. Alors, Imen Bougessa, bonjour. Hein, vous nous dites comment bien remplir son CV en étant sans expérience. Nous allons y venir à la prochaine étape.
Pareil pour Adèle Benjeni qui nous dit comment est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de CV bien traité? Et je postule chaque jour, mais pas moyen. Donc, nous allons y revenir à la fin de la démonstration, hein, Adèle et Imen. Pour les autres participants, si vous avez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous allons y répondre. Voilà. Donc, nous allons mettre les informations nécessaires. Donc, je vais mettre ma date de naissance. Mon lieu de résidence où nous pouvons mettre notre adresse complète, mais il est préférable de mettre uniquement la région. Donc, je mets un numéro de téléphone. Et nous pouvons mettre plus d'infos sur notre profil. Donc, surtout pour pour certains profils, pour certains postes, il y a une exigence en fait d'avoir un permis de conduire, d'être véhiculé et d'être régulier vis-à-vis du service militaire. Donc, à chaque fois, il faudrait en fait descendre sur ajouter plus, afficher plus d'informations et systématiquement cocher que nous avons un permis de conduire ou non, que nous sommes véhiculés ou non. Et que nous sommes réguliers vis-à-vis du service militaire. Ensuite, nous allons choisir le métier auquel nous appartenons ou que nous voudrions intégrer. Donc, pour moi, c'est marketing communication. Nous mettons nos années d'expérience si nous en avons. Notre niveau de poste, le secteur d'activité souhaité, ça peut renseigner sur vos, en fait, sur vos ambitions, mais ce n'est pas tellement important de le mettre. Notre niveau d'études, le salaire souhaité. Donc, pour ce qui est du salaire souhaité, je vous conseille de mettre environ dans les 10 à 20 000 dinars au-delà de votre salaire actuel. Donc, renseignez aussi si vous êtes disponible immédiatement ou que vous êtes en poste et que vous avez un préavis à respecter avec votre actuel employeur. Quelle est votre possibilité de mobilité? Actuellement, votre statut, est-ce que vous êtes sans emploi, en poste ou en fin de contrat? Et votre situation actuelle, est-ce que vous êtes en recherche active d'un poste? Est-ce que vous êtes à l'écoute du marché ou bien est-ce que vous n'êtes pas en recherche. Ensuite, nous allons à l'étape suivante, c'est de renseigner ces expériences professionnelles. Donc là, dans un premier temps, juste pour les besoins de la création du compte, nous allons renseigner une seule expérience et nous allons ensuite mettre les autres expériences s'il y en a. Cours, le nom de l'entreprise. Et la case description est très, très importante. Comme je vous l'ai dit, le recruteur reçoit les candidatures sur un compte. Et ce compte-là, c'est en fait un logiciel de traitement des recrutements. Donc, c'est un logiciel automatique. Et il a besoin en fait d'un maximum d'informations concernant votre profil. Et ces informations-là vont permettre justement à cet outil d'avoir un maximum de mots-clés, donc d'enrichir votre candidature en mots-clés et justement de bien classer votre candidature. Donc, il faut impérativement mettre une description détaillée des tâches que nous faisons, des principales tâches que nous faisons, il ne faut pas non plus encombrer son CV. Donc, mettre tâche 1, tâche 2
etc., etc. Donc, justement, le descriptif de votre poste doit résumer votre activité au sein de ce poste, au sein de cette entreprise, mais surtout mettre l'accent sur votre valeur ajoutée pour ce poste au sein de cette entreprise. Donc, il est très, très important de mettre en valeur vos points forts dans l'exercice justement de votre fonction et de mettre en avant vos atouts sur la description de ce poste. Donc, ça donnera un maximum d'éléments au recruteur déjà, mais aussi à l'outil pour pouvoir bien classer votre candidature. Donc, nous allons ensuite passer aux formations. Donc, vous mettez en fait toutes vos formations, donc que ce soit la formation académique que vous avez effectuée, mais aussi, il est très, très important de mentionner les petites formations, en fait, des petites formations, comment on appelle ça, des formations qualifiantes, pas forcément diplômantes, donc les petites sessions de formation que vous avez suivies, si vous avez aussi suivi des formations en e-learning, donc il serait très, très important, en fait, de le mentionner, parce qu'en fait, chaque formation vous fait acquérir de nouvelles compétences ou vous pousse à travailler de nouvelles compétences. Donc, il est très, très important de mentionner toute formation que vous ayez eu à faire durant votre carrière. Donc, je mentionne ma formation. Donc, on met la date de début et la date de fin. Ensuite, vous pouvez peut-être ajouter plus d'informations, peut-être mettre un descriptif de votre mémoire de fin d'études ou de votre projet de fin d'études. Ça serait toujours une information importante aussi à communiquer au recruteur. Donc, sur la liste des compétences, il est très, très important aussi de mentionner vos compétences. Donc, que ça soit des compétences techniques, la maîtrise d'un logiciel, la maîtrise de techniques spécifiques qui sont liées à votre métier, mais aussi à partager vos soft skills, donc vos compétences comportementales. Toutes, justement, ces compétences sont très, très importantes à mettre sur votre profil. Donc, moi, je vais mettre un seul critère technique, donc maîtrise du CRM, et vous notez en fait le niveau de maîtrise de ce logiciel ou de cette technique. Je vais mettre aussi adaptabilité comme soft skill, et en fait à vous de voir, de juger de vos soft skills ou demandez tout simplement à votre entourage ou à vos collègues ou à vos supérieurs quelles sont selon eux les compétences soft skills que vous avez. Alors, et en dernier, nous allons passer aux langues. Donc, mettre le niveau de maîtrise des langues. Et en fait, surtout ce qui est très important sur les langues, on a beau mettre par exemple en anglais 5 étoiles, donc le recruteur cherche peut-être un candidat qui maîtrise parfaitement l'anglais. Donc, vous mettez 5 étoiles, mais vous ne maîtrisez pas forcément l'anglais. Donc, ça peut vous porter préjudice. Donc, il faut faire très, très attention justement sur la partie compétences et sur la partie langue, mettre votre niveau réel de maîtrise, parce qu'en fait, ça va se voir justement lors de l'entretien d'embauche. Voilà. Donc là, notre profil, donc l'outil nous dit que notre profil est rempli à 100%, mais en fait, ne vous fiez pas uniquement à cette jauge. Veillez vraiment à remplir chaque case, ajoutez toutes vos expériences, donc pour les débutants ou bien pour les jeunes diplômés. On ne peut pas dire que vous n'avez pas d'expérience, vous avez forcément fait
un stage ou plusieurs stages durant votre cursus. Et donc, les stages sont considérés comme étant des expériences professionnelles. Donc, vous avez mis un pied justement en entreprise, vous avez eu des tâches à effectuer et donc, ça reste une expérience professionnelle. Donc, pour parfaire son CV, il faut, comme je vous l'ai expliqué, ajouter toutes nos expériences, ajouter toutes nos formations, y compris les formations qualifiantes, mettre en avant les langues que nous maîtrisons et aussi nos compétences, que ce soit des compétences comportementales ou des compétences techniques. Est-ce que jusque-là, tout est clair? Très bien. Donc en fait, nous arrivons à la fin de cette démonstration pour la création d'un compte sur Emploatique. Ensuite, pour en fait attirer aussi le recruteur, il suffirait aussi, il faudrait plutôt postuler parmi les premiers. Et donc, pour être en alerte justement et avoir les nouveautés, les nouvelles offres d'emploi sur Emploatique et qui correspondent au métier que vous recherchez, donc il est simple de configurer une alerte emploi, donc en cliquant sur votre profil, ensuite alerte emploi, et par la suite, vous créez votre alerte emploi en cliquant sur nouvelle alerte emploi. Donc, vous pouvez à chaque fois mettre une alerte. Donc, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs alertes. Donc là, vous mettez en mots-clés des compétences, des métiers, ce qui est en rapport avec ce que vous recherchez. Donc, moi, je vais mettre communication, marketing, digital, par exemple. La fréquence de l'alerte. Idéalement qu'elle soit quotidienne et on affiche aussi les critères de l'alerte, le lieu de résidence est très important, le métier, donc ça peut être plusieurs métiers, l'expérience demandée et le niveau de poste. Et on sauvegarde, comme ça, à chaque fois qu'il y aura une alerte, qu'il y aura une nouvelle offre d'emploi sur emploatique.com et qui contiendra les mots communication, marketing, digital ou qui sera apparenté à ces métiers-là, communication, marketing, digital, j'aurai une notification sur mon adresse mail avec le lien de cette offre d'emploi et donc ça me permettra de postuler parmi les premiers à cette offre d'emploi et d'être au courant des dernières offres d'emploi qui correspondent à ma recherche et qui sont publiées sur emploatique.com. Alors, donc là, nous arrivons justement à la fin de cette démonstration aussi pour les alertes emploi. Donc là, je vais répondre à toutes vos questions. Alors, donc, je vais revenir à vous, Adèle Benjenny. Je postule chaque jour, mais pas moyen. Donc là, Adèle, comme on l'a expliqué il y a quelques temps, il y a quelques minutes, donc là, il suffirait de voir déjà, Adèle, de voir votre compte, de voir si il est correctement rempli, s'il contient toutes les informations de votre CV. Donc, en fait, il faut prendre le même temps et la même attention à remplir son compte Emploatique qu'à remplir son CV personnel. Donc, il faut prendre soin de bien vérifier qu'il y a un maximum d'informations sur votre parcours, sur vos formations et sur vos ambitions et sur vos compétences surtout. Là, déjà, c'est un premier point. Deuxième point, il faut aussi vous assurer que vous postulez aux offres d'emploi qui correspondent à votre profil. Donc, il faut vraiment décortiquer l'offre d'emploi, voir point par point les tâches et missions qui incombent au poste auquel vous allez postuler. Donc, si vous les maîtrisez, si vous avez l'habitude d'effectuer ce genre de tâches, et de décortiquer aussi la partie profil et de voir si
les compétences qui sont recherchées par l'entreprise pour ce poste-là correspondent à vos compétences à vous. Donc, il est très, très important de tenir ça, de prendre cela en compte. Troisième point, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une entreprise reçoit un minimum entre 250 et 300 CV par offre d'emploi. Donc, c'est réellement un concours pour vous. Et en fait, si vous n'avez pas toutes les informations nécessaires sur votre compte et si vous postulez à une offre d'emploi qui ne vous correspond pas, à ce moment-là, il se pourrait que le recruteur ne vous ait pas contacté. Voilà. Donc, Imen Bouguessa, comment bien remplir en étant sans expérience? Alors, pour les personnes qui sont sans expérience, comme je vous l'ai dit, pour la plupart d'entre vous qui ont fait des études supérieures, sont sûrement passés par des stages de fin d'études. Donc, les stages de fin d'études sont des expériences professionnelles à mettre en avant. Donc, n'hésitez pas à enrichir un maximum votre profil de vos stages de fin d'études ou des stages qui ont servi justement à votre projet de fin d'études. Alors, Mohamed Saïdi, les recruteurs vont prendre en considération mon CV PDF que je vais télécharger ou bien le CV que je vais remplir sur votre application. Alors, Mohamed Saïdi, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il est pris en compte, c'est vrai, le CV en PDF, mais ce qui est pris en compte à très grand pourcentage, à plus de 85%, c'est le CV que vous remplissez sur notre plateforme. Donc, le compte que vous remplissez sur Emploi-tic. Il faut prendre soin de bien remplir votre compte Emploi-tic. Exactement comme vous avez rempli votre CV en PDF, il faut prendre soin de remplir votre compte Emploi-tic justement de la même manière. Alors, Nordin Mokded, la photo de profil est-elle nécessaire? Alors, non, la photo de profil n'est pas nécessaire, mais si vous mettez une photo de profil, il faut qu'elle soit conforme. Donc, c'est quoi une photo de profil conforme? C'est une photo d'identité, tout simplement. Donc, la même photo que vous avez sur votre pièce d'identité, sur votre permis de conduire, sur votre passeport, c'est cette photo-là que vous allez utiliser pour justement la mettre sur votre compte. Et il est préférable, moi je dirais, de mettre une photo sur votre compte Emploi-tic. Comme je le dis, nous Algériens, on aime bien savoir à qui on a ou à qui on va avoir affaire. Donc, c'est plutôt sympa d'avoir une photo sur son profil. Alors, question aussi de Jabroni Majid. Puis-je remplir mon CV via mon smartphone? Oui, vous avez la possibilité de remplir votre CV via votre smartphone. Donc, le site Emploi-tic est responsive design. Donc, il s'adapte à toute taille d'écran. Et vous pouvez aussi utiliser pour cela notre application mobile. Donc, elle est téléchargeable sur Play Store et sur App Store. Donc, vous pouvez aussi utiliser l'application d'Emploi-tic pour postuler justement vraiment très rapidement via votre smartphone. Est-ce que on a d'autres questions? Ne soyez pas timide. Très bien. Alors, pour résumer justement en plusieurs points le webinaire d'aujourd'hui. Donc, premier point, ce qu'il faut savoir, c'est que Emploi-tic est un intermédiaire entre vous, chers candidats, et l'entreprise à travers les offres d'emploi. Donc, nous n'intervenons pas dans le processus de recrutement. Deuxième point,
c'est que ce qui est pris en compte quand vous vous postulez à travers Emploi-tique aux offres d'emploi qui sont sur notre site, ce qui est pris en compte, c'est votre compte Emploi-tique. Donc, ce que vous remplissez sur Emploi-tique, c'est ce qui est pris en compte en priorité. Donc, il faut prendre soin de bien remplir chaque détail, chaque information de votre parcours professionnel et de votre parcours étudiantin pour justement avoir un maximum d'éléments à offrir aux recruteurs et à offrir justement à l'outil sur lequel est reçue votre candidature pour avoir justement un bon classement. Troisième des choses, il faudrait aussi prendre soin de choisir avec soin les offres d'emploi auxquelles nous postulons et s'assurer justement que nous correspondons parfaitement à chaque point qui est énoncé sur l'offre d'emploi. Et quatrième des choses, nous pouvons être au courant de toutes les nouvelles opportunités qui correspondent à nos recherches d'emploi sur Emploi-tique à travers la fonctionnalité mes alertes mail. Donc, on configure une alerte avec les principaux mots-clés que nous recherchons, donc le métier ou la fonction également, et la fréquence de réception de cette alerte d'emploi. Donc, avec ça, vous avez justement tous les éléments pour être au top, pour que votre candidature soit attirante auprès du recruteur et pour surtout augmenter vos chances d'être recruté et d'être contacté surtout. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir suivi ce webinaire. Nous rencontrerons Inch'Allah le 16 décembre pour discuter justement pour voir le compte recruteur, donc ce qui se passe au niveau du compte recruteur, comment est reçue votre candidature et justement on reviendra sur les conseils justement pour optimiser la visibilité de son compte sa candidature plutôt sur le compte recruteur. D'ici là, je vous dis portez-vous bien, à très très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.